Voilà, mes amis, de nouveau sur TV et Radio de Vie, que Dieu nous garde. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole. Au nom de Yeshua, notre Maître, notre Dieu, merci pour ta fidélité. Merci pour, Seigneur, toutes ces belles choses qui se passent ici et là. Au nom de Yeshua, ta parole qui s'accomplit, des enfants qui se tournent vers toi, qui réalisent qu'il faut qu'ils t'obéissent, qu'ils mettent leur vie, Seigneur, entre tes mains. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père de gloire. Amen. Apocalypse chapitre 6, le verset 7. Et 8, les versets 7 et 8. Et quand il eut ouvert le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens et vois. Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Et celui qui était monté dessus se nommait la mort. Et l'enfer l'accompagnait. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, donc ça c'est le quatrième sceau. Et on nous dit que le cheval qui est sorti, en fait il y avait un cavalier qui était sur un cheval et ce cheval était vert. Alors bien sûr, la couleur verte nous parle de beaucoup de choses. Hein. Donc la couleur verte nous parle de la nature déjà, nous parle de la nature. Et donc... Et on nous parle, on nous dit que ce cavalier, justement, avait un nom, portait un nom, et son nom, c'est la mort. Mais ce cavalier n'était pas seul, donc la mort. Et ce cavalier, il était accompagné de Hadès ou encore l'enfer. Alors, je ne sais pas si l'équipe peut nous aider pour nous montrer un peu l'image de ce cavalier, hein, donc la mort sur ce cheval vert. On peut toujours s'organiser pour nous trouver cela, au nom de Yeshua. Et c'est le cavalier, mes amis, ce cavalier est terrible, terrible. Le quatrième cavalier est, mes amis, terrible parce que, pourquoi ? Parce que on nous dit que c'est le dernier ennemi qui sera, bien sûr, vaincu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26, 1 Corinthiens 15, 26. L'ennemi qui sera détruit, le dernier, c'est la mort. Donc, l'ennemi qui sera détruit, le dernier, c'est la mort. Vous vous rendez compte, mes amis? Paul nous apprend que le quatrième cavalier est notre ennemi. Ah oui. Et il dit que ce cavalier sera le dernier à être détruit. Donc, la mort, le dernier ennemi, le quatrième cavalier, est terrible. Et il ne sera, il a déjà été vaincu à la croix, comme Satan, comme... Mais lui là, mes amis, là on nous dit que ce cavalier, donc la mort, sera bien sûr le dernier que Dieu va détruire. Pourquoi ? Parce que, mes amis, parce que ce cavalier... Dieu, dans sa souveraineté, lui a donné plus de temps que les autres. Plus de temps que les autres. Et regardez, vous allez voir que ce cavalier, donc la mort, a toujours fonctionné avec son allié le plus fidèle, c'est-à-dire le dieu Hadès, ou encore l'enfer, ou encore le séjour des morts, ou en hébreu, le Sheol. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 20, regardez bien, à partir du verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La mort et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts. » Donc on reste sur l'image, là, merci. Et si on peut en trouver d'autres, il n'y a pas de problème. « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jetés, ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. Et regardez le verset 14. Et la mort et l'enfer furent jetés
dans les temps de feu, c'est la seconde mort. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu pour être détruits, bien sûr. Et vous verrez que Satan, lui, par contre, va être jeté dans les temps de feu bien avant. Regardez le verset, le chapitre 20, le verset 10. Et le diable qui le séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Donc, la bête, c'est-à-dire l'antichrist, qui est le premier cavalier, le faux prophète qui est son allié, et Satan, le diable, le serpent ancien, seront jetés dans les temps de feu avant la mort et l'enfer, ou le dieu Hadès. Donc vous voyez bien que les Écritures disent vrai, que l'enfer, mes amis, et l'enfer, le dieu Hadès, ainsi que la mort, ces deux collaborateurs les plus proches, seront, mes amis, jetés dans les temps de feu. Et on nous dit que la mort, qui est le dernier ennemi, à être détruit, n'est-ce pas? Donc, et c'est terrible. La mort, effectivement, donc le quatrième cavalier, est l'ennemi de tous les hommes. De tous les hommes. Et regardez ce que le Seigneur nous dit. Rappelez-vous bien que, mes amis, vous devez comprendre que ce cavalier, donc la mort, ainsi que l'enfer, son collaborateur, détenait des clés. Ce sont ces deux démons, parce que la mort est un démon, le quatrième cavalier est un démon, qu'on appelle le démon des morts. Vous voyez, c'est un démon qui travaille avec un autre démon qui s'appelle Hadès. Hadès, chez les Grecs, était, mes amis, la divinité la plus crainte. Et cette divinité, mes amis, faisait trembler les Grecs au point où ils avaient utilisé un euphémisme pour parler de lui. Un euphémisme qui dit, qui signifie le Dieu aux portes closes. Et rappelez-vous bien que c'est cette divinité, Hadès, qui combat particulièrement l'Église. Et Yeshua nous dit dans Matthieu 16, 18, il dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes de Hadès ou encore de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc, cette divinité, Hadès, a des portes. Des portes qui ne laissaient pas sortir les morts. Les morts, notamment, qui croyaient en Dieu. Même Abraham était retenu par Hadès. Même Jacob était retenu par Hadès. Même Isaac était retenu par Hadès. Tous les prophètes, Moïse y compris, étaient retenus par Hadès. Sauf, mes amis, Enoch qui était enlevé, Élie également, mais sinon les autres étaient tous retenus par cette divinité, par ce démon, Hadès. Comment ils fonctionnent les deux? Ils fonctionnent vraiment en binôme et ils coopèrent correctement, très bien. La mort vient d'abord et frappe les hommes. Une fois qu'elle a frappé, eh bien, c'est Hadès qui récupère ses âmes, qui les garde, qui les enferme. Et les deux, la mort, c'est-à-dire le quatrième cavalier, ainsi que Hadès, l'enfer, les deux, mes amis, collaborent tellement bien qu'il y en a un qui est tué et un deuxième qui est emprisonné. Vous voyez ? Donc, la mort tue et Hadès garde, emprisonne les âmes. Et c'est pour cela, mes amis, pendant des années, depuis le premier homme qui est mort, c'est-à-dire Abel, Adam, tout ça, tous ces gens, Abraham, Isaac, David, tous avaient, ils craignaient, bien sûr, Hadès. Ils craignaient la mort. Quand Adam a chuté, eh bien, Hadès, ainsi que la mort et Hadès, les deux collaborateurs les plus proches, n'est-ce pas, parmi les démons, vont prendre les clés que Adam avait, c'est-à-dire l'autorité pour gouverner. Ils vont prendre les clés, mes amis, que Dieu avait données à Adam, donc
celle qui consiste dans la gouvernance, dans le gouvernement de la terre, parce que les clés représentent simplement l'autorité. Dieu avait donné à Adam l'autorité de gouverner la terre, de diriger la terre, de dominer sur la création, sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer. Il avait donné à Adam cette autorité. Et les démons, Satan, quand il a réussi à faire tomber Adam et Ève dans le péché, d'abord Ève, ensuite Adam, eh bien, les démons ont récupéré cette autorité, donc Hadès et la mort, et ils ont commencé à dominer sur les animaux. Voilà pourquoi souvent les démons, quand on les chasse, souvent, ils se manifestent souvent comme des animaux, tels que le serpent, tels que les scorpions. C'est pour ça que Yeshua nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Vous voyez? Donc souvent les démons se servent des animaux comme ça. Donc ils ont commencé à dominer sur la création, à dominer sur les hommes, à dominer même sur les morts. Et regardez mes amis, ce que la parole nous dit. Et c'est Satan bien sûr qui orchestre tout ça. Dans Colossiens, Éphésiens 2, dans Hébreux, pardon, Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi de même a participé aux mêmes choses, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient assujettis toute leur vie à la servitude. Vous vous rendez compte, mes amis? On nous dit que pour vaincre la mort, qui terrorisait, tétanisait le monde, les hommes de ce monde, eh bien, Dieu a dû prendre la forme humaine et pour rendre impuissant le diable qui avait la puissance, le pouvoir sur la mort. Et, mes amis, regardez ce que Yeshua nous dit dans Apocalypse 1, 18. Il dit, je suis le premier et le dernier, et je vis. J'étais mort, et voici, je suis vivant. D'âge en âge. Amen. Et je tiens les clés de l'enfer et de la mort. Alléluia. Donc, Jésus, notre maître, est le seul à avoir vaincu ce démon, le démon de mort. Mais il n'a pas seulement vaincu la mort, il a également vaincu Hadès. Pourquoi vous allez me dire? Regardez. À part Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a eu personne qui était mort et qui soit revenu à la vie pour ne plus mourir. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il y a eu des résurrections avant la résurrection de Jésus-Christ. Mais tous ces ressuscités mouraient de nouveau. Et Jésus est le seul à avoir connu la mort et à s'être sorti de là, à être ressuscité. Hein, avoir ressuscité, et le seul à ne plus être soumis à la mort. Pourquoi? Parce que ben, la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Il a vaincu. Et non seulement qu'il a vaincu la mort et l'enfer, parce que, regardez ce qui s'est passé. Quand il est mort, il est allé où, nous dit la Bible? Il est allé, mes amis, en enfer. Il est allé en enfer, précisément. Il est allé en enfer pourquoi? Ben, il est allé en enfer pour, n'est-ce pas, délivrer tous les enfants de Dieu, en commençant par Abel, le premier croyant à être, mes amis, persécuté et tué par son frère, à avoir connu la mort, le premier homme à avoir connu la mort. Il fallait qu'il soit délivré. Jésus-Christ de Nazareth, quand il est mort, il est allé voir Hadès ou l'enfer, qui est un démon dans lequel sont les perdus et aussi les croyants avant Christ. Jésus est allé le voir et la Bible nous dit que lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec plusieurs personnes, avec les saints et même il y en a qui se sont manifestés visiblement, hein, qui se sont manifestés à Jérusalem et des gens les ont vus. Donc, on nous dit. Dans Éphésiens 4, regardez bien. On va lire un passage. Je veux d'abord vous parler de ce que Jésus-Christ a accompli. Voilà, parce qu'il a vaincu la mort, qui est le quatrième cavalier. Il a vaincu aussi son collaborateur, c'est-à-dire l'enfer ou Hadès.
Éphésiens 4, regardez ce que Paul nous enseigne par l'Esprit. À partir du verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené captive une grande multitude de captifs et il a donné des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties les plus basses de la terre. Voyez, il est descendu dans les parties les plus basses de la terre, c'est-à-dire l'abîme, c'est-à-dire l'enfer, c'est-à-dire le dieu Hadès. Il est descendu là-bas et il est monté quand il est ressuscité. Il est monté, il est sorti avec, mes amis, des captifs, c'est-à-dire tous les chrétiens qui étaient, tous les croyants en Dieu qui étaient retenus par la mort. Eh bien, Yeshua, quand il est arrivé, les portes closes, les portes de l'enfer ne pouvaient que s'ouvrir d'elles-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ont rencontré Yeshua, la porte des brebis. Il a dit dans Jean 10, il a dit « Je suis la porte des brebis. Celui qui croit en moi entrera et en sortira. Il entrera dans la bergerie, il en sortira parce que je suis la porte. » Voilà, donc il arrive là-bas, quand il est arrivé en enfer, les portes closes, les portes qui empêchaient les gens de sortir de l'enfer, se sont naturellement ouvertes pour laisser Yeshua partir avec, bien sûr, tous les saints. Mes amis, alléluia, gloire à Dieu. Et la parole nous dit justement que quand il est ressuscité, Yeshua, il est ressuscité avec plusieurs saints. C'est terrible, mes amis, de voir à quel point le Seigneur est glorieux et puissant. Donc Dieu est glorieux, Dieu nous a vraiment délivrés. Et qu'est-ce qu'on apprend également? On apprend qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. Il a ses clés. Il a ses clés. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 15, il dit, on va pouvoir le lire rapidement, 1 Corinthiens chapitre 15, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner là? Merci Seigneur pour ta grâce. Il dit au verset 55, 1 Corinthiens 15, 55, « Ô enfer, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. » Voyez, Paul est en train de dire, de rappeler à l'enfer, aux collaborateurs de la mort. Paul lui rappelle sa défaite. Et ça, aucun prophète ne l'a fait. Aucun religieux n'a remporté cette victoire si ce n'est que Yeshua HaMashiach, notre Dieu, notre Maître. Mes amis, gloire à Dieu. C'est pour cela que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes alors perdus, n'est-ce pas? Et notre foi est vaine. Notre prédication est aussi vaine parce que Christ ne serait pas ressuscité. Or, Christ est véritablement ressuscité et nous pouvons, mes amis, crier haut et fort que la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous parce que quand nous mourons physiquement, en fait, nous continuons à vivre cette fois-ci dans le royaume de notre Père céleste. Gloire à Dieu. C'est pour cela, mes amis, c'est juste une invitation que je vous lance ce soir. Vous qui n'êtes pas encore en Christ, profitez-en, donnez-vous au Seigneur, criez vers le Seigneur Yeshua, criez vers le Seigneur et il va vous répondre parce qu'il veut sauver les âmes. Alors, on revient sur ce cavalier, donc la mort. La mort fait des dégâts. Dieu dit à Adam, il dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre du jardin qui est au milieu, à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne le toucheras pas. Le jour où tu en mangeras, le jour où tu mangeras ces fruits, tu mourras. Et Adam, malheureusement, a désobéi et la mort est venue, le quatrième cavalier. Et c'est là qu'il a commencé à travailler. Dès la chute de l'homme, ce démon a commencé à opérer, le quatrième cavalier. Et là, on nous dit, en ce temps de la fin, ce cavalier va faire encore plus de dégâts. Plus de dégâts. Vous voyez, mes amis, les images un peu qu'on vous montre. Hein, la mort qui est là, et avec ce cheval blanc, cheval vert, verdâtre. Pourquoi le vert?
Rappelez-vous bien que les couleurs sont utilisées pour séduire aussi, hein. Donc le premier cavalier vient, il monte un cheval blanc pour séduire les gens, comme Christ, hein, qui va revenir sur terre, monter sur un cheval blanc. Donc voilà. Et ensuite le deuxième cavalier qui est monté sur un cheval, on l'a vu, roux. Je crois, si je ne me trompe. Donc, deuxième cavalier qui est monté sur un cheval roux, effectivement, rouge, c'est le sang. Troisième cavalier, il est monté sur un cheval, mes amis, noir. Et le quatrième, c'est sur un cheval verdâtre, vert. Alors, la couleur verte nous parle de beaucoup de choses. Il y a plusieurs religions qui adoptent la couleur verte, hein. Vous avez, par exemple, le kimbangisme, cette religion qui nous vient de la RDC, voyez, et on peut montrer un peu certaines images, hein, donc si on peut, le kimbangisme, tout ça par exemple, et donc ils adoptent la couleur verte, et il y a aussi, je crois que c'est l'islam aussi, hein, qui adopte aussi la couleur verte, et donc voilà, je crois que c'est l'islam et le sunnisme, si je ne me trompe pas, voilà. Et il y a plein d'autres personnes aussi, hein, qui utilisent la couleur verte. Il y a aussi, bien sûr, l'écologie, hein, voilà, avec des pastilles vertes, tout ça. L'écologie qui devient au jour d'aujourd'hui presque une, je dirais, la religion, effectivement. Et nous sommes d'accord qu'il faut, bien sûr, prendre soin de la terre parce que Dieu nous a donné quand même l'intelligence. Il nous a confié, mes amis, cette planète. Et nous devons, bien sûr, en prendre soin. Et c'est aussi ça, être responsable. Et donc, il faut en prendre soin, il faut s'en occuper. Ça, nous sommes d'accord. Mais malheureusement, comment voulez-vous défendre véritablement la planète si on ne respecte pas aussi celui qui l'a créée? Vous voyez? Celui qui l'a créée, celui qui a dit à l'homme, eh bien, écoute, je te donne ce jardin, qui a pris l'homme, qui l'a mis dans ce jardin d'Éden et qui lui a dit, tu dois en prendre soin, tu dois le cultiver et le garder. Oui, Dieu nous a demandé à nous, les hommes, de prendre soin de la terre, de cultiver la terre, de prendre soin, hein, de notre environnement. Ça, nous sommes d'accord, on n'est pas contre. Mais vous devez comprendre aussi que, pour beaucoup, hein, ils veulent plus sauver la terre que sauver leurs âmes. Donc, l'écologie peut aussi devenir, peut aussi être une forme de religion avec des prêtres. Mais on nous dit que le quatrième cavalier va se servir de la couleur verte, hein, pour séduire. Et on nous dit qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de morts. Et beaucoup de morts, je crois qu'un temps viendra, si ce n'est déjà pas le cas, les gens qui ne voudront pas se soumettre à certaines lois votées par le gouvernement mondial, qui va de plus en plus prôner, mes amis, le respect de l'environnement. Et certaines personnes qui ne voudront pas s'y soumettre, ben je pense que seront menacées, connaîtront peut-être la mort. Je crois qu'ils connaîtront carrément la mort parce que c'est écrit. Et on nous dit que c'est le quart de la terre qui sera, n'est-ce pas, tué. C'est quand même beaucoup. On est, mes amis, 7 milliards aujourd'hui. Alors le quart, ça fait beaucoup, hein. Donc ça fait au moins plus de 2 milliards, hein, d'individus qui vont connaître la mort. Ça peut paraître, mes amis, impossible, parce qu'on peut se dire, mais comment cela peut-il se faire? Mais écoutez, moi je crois que Dieu a toujours raison. Mais en tout cas, on nous dit que la mort va causer beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts, ainsi que son collaborateur, c'est-à-dire l'enfer. Et qu'est-ce qu'on apprend également? Comment ces deux collaborateurs vont-ils se prendre pour tuer les gens? Eh bien, on nous parle d'abord de l'épée, hein, donc on va voir les décès par les armes, hein, dans le monde, hein. Donc si on peut trouver les statistiques, je pense que c'est possible. Et le nombre de personnes qui meurent par les armes sur terre, parce que l'épée, il ne faut pas seulement s'arrêter sur l'épée en tant qu'instrument, mais il faut voir ici, parce que l'épée est une arme, n'est-ce pas? Paul nous parle de l'armure du combattant dans Éphésiens 5. Et vous voyez, l'ennemi essaie de, Satan essaie de singer Dieu. Donc nous avons, nous chrétiens, nous utilisons aussi l'épée que la parole de Dieu. L'épée dans la Bible nous parle de la parole. Donc ça veut dire que l'antichrist,
où Satan, qui bien sûr contrôle tous ses cavaliers, va se servir de la mort et de l'enfer pour tuer plusieurs personnes sur Terre, un quart de la population mondiale, d'abord par l'épée. L'épée est l'arme par excellence hein, dans la Bible, hein, et c'est la parole, la parole. Et là, ils vont se servir de la parole, c'est-à-dire des discours, hein. D'abord des discours, si on veut faire une interprétation d'abord, mes amis, allégorique. Donc, on va voir l'épée ici comme étant la parole, mais pas la parole de Dieu cette fois-ci, mais la parole de Satan, la parole des hommes. Donc, par des discours. Et on a pu voir Hitler, hein, avec son discours haineux, hein, il a, mes amis, fait tuer plus de 6 millions de juifs, n'est-ce pas? C'est quand même terrible, c'est atroce. Et juste avec des discours, les gens étaient envoûtés pour aller exécuter les ordres. Donc l'épée ici, c'est d'abord des discours. Hein, sur le plan, mes amis, si on fait une interprétation allégorique, mes amis, on comprend que l'épée, c'est d'abord des discours. Donc le quatrième cavalier, la mort, mes amis, va se servir des discours, mais des discours terribles. Vous avez pu voir des gourous qui, mes amis, avec des discours haineux, avec des discours, mes amis, comment dire, habillés, avec des paroles, des discours haineux, hein, de suicide par exemple, mais habillés par des mots, comment dire, doux, hein, promettant le ciel, hein, aux adeptes. Des gens vont se suicider parce qu'ils ont entendu un discours. Des gens vont aller se faire exploser, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont entendu un discours sur le net. Ils sont comme envoûtés, hein, avec des messages haineux, disant que s'ils s'explosent, ils vont aller au ciel, ils auront des vierges, tout ça. Vous voyez, c'est l'épée, ça, c'est l'épée. C'est les discours d'abord. Vous voyez? Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Et nous sommes dans une génération où les gens peuvent tuer les autres parce qu'ils ont écouté un discours, parce qu'ils ont écouté, mes amis, parce qu'ils ont été lobotomisés, ils ont été envoûtés, ils ont été, mes amis, aveuglés par des discours complètement sectaires, des discours complètement haineux, et les poussant à se faire du mal eux-mêmes et à faire du mal à leurs proches. Donc ça, c'est une épée. Donc l'épée nous parle de discours, nous parle de ça peut être des discours politiques, hein, n'est-ce pas? Et tout ça, et des discours religieux, hein, tout ça, et ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. C'est pour cela, mes amis, il faut toujours faire attention à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute. Il faut toujours, pour nous les chrétiens, vérifier les enseignements comme les Béréens qui nous sont donnés, hein, les enseignements qui nous sont apportés, s'ils sont en accord avec les Écritures ou pas. Ensuite, les épées, si on veut faire une interprétation littérale, comment dire, littérale, eh ben, l'épée représente ici les armes, hein, les Kalachnikovs. Regardez par exemple là, et par rapport à la mortalité, hein, due à l'emploi, à l'utilisation d'armes dans le monde. Hein. Et donc, en France d'abord, on nous dit que depuis le 1er janvier de cette année, il y a eu 6 243 victimes, hein, homicides, hein, pardon, et homicides, donc oui, des victimes, hein, il y a des victimes derrière ces homicides, et voilà. Donc en France métropolitaine et outre-mer, il y a eu 932 homicides, voilà, qui ont été comptabilisés en 2015. Donc c'est plus de 2,5 meurtres par jour. Vous vous rendez compte? Donc, depuis que nous sommes connectés, il y a encore zéro victime. Donc, si on reste encore quelques minutes, vous allez voir que ça va commencer à grimper. Et donc, le nombre de morsures de serpents dans le monde, donc ça, c'est par rapport aux animaux. D'abord, on reste sur les armes. Et voilà. Donc, vous voyez, quand même, c'est terrible. Là, c'est qu'en France, hein, hein, en France, donc depuis le 1er janvier de cette année, il y a eu 6 243 victimes. Voilà, donc des personnes qui sont tombées, hein, suite à voilà, donc elles ont été tuées par avec des armes à feu, tuées par armes à feu. Et ensuite, aux États-Unis, regardez bien, depuis le 1er janvier de cette année, il y a eu combien de personnes? 2 791. C'est terrible quand même, 2 791
personnes qui sont tombées sous les balles. Donc, aux États-Unis, on compte plus d'un meurtre par arme à feu toutes les heures, soit plus de 27 homicides par jour ou encore 9 855 meurtres par an. Il y a 270 millions d'armes à feu aux États-Unis, soit 89 armes pour 100, mes amis, 100 habitants. Vous vous rendez compte? C'est énorme, énorme. Donc la mort se sert, n'est-ce pas, de l'épée, comme d'abord sur le plan spirituel, allégorique, comme la parole, hein, cette parole qui tue, avec des discours haineux, tant sur le plan religieux que politique. Avec Hitler sur le plan politique, par son discours haineux envers une certaine population, aussi bien des Juifs que des Noirs, hein, que des Tziganes, tout ça, ben, par son discours haineux, eh ben, il a excité des foules de personnes qui étaient devenues des bombes, des exécutants, hein, des hommes et des femmes qui sont venus qui sont partis exécuter son plan machiavélique, tout ça là, démoniaque. Et il y a eu aussi l'épée, c'est-à-dire qui est une arme, bien sûr, physique, qui est représentée par les armes à feu, par toutes sortes d'armes, hein, qu'on peut utiliser pour tuer physiquement. Eh bien, regardez ce qui se passe, c'est terrible. Et voilà. Et donc, vous avez compris que par les armes, aujourd'hui, mes amis, avec les armes, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui tombent, qui meurent dans le monde. Et voilà. Et on ne vous parle pas, bien sûr, des marchands d'armes, hein, parce que c'est tout un commerce, mes amis, très, très lucratif, hein, qui rapporte des milliards, des milliards. C'est terrible. On se fait des milliards, mes amis, en tuant les autres. Dans quel monde sommes-nous? Et voilà, on va montrer maintenant. Donc, ça, c'est la première chose que. La première, mes amis, le premier élément que le quatrième cavalier utilise pour tuer les gens, ce sont les armes. Le deuxième élément qu'il va utiliser pour tuer les gens, mes amis, selon toujours Apocalypse 6, versets 7 à 8, c'est la famine. N'est-ce pas? La famine, on en a déjà parlé, hein? Donc, il y a plusieurs personnes qui meurent de faim dans le monde. On va aller tout de suite là par la mortalité, pareil, et par les bêtes sauvages. Regardez bien les morsures, là, je voyais tout à l'heure. Voilà. D'abord, en 1347, 1347, il y a eu plusieurs victimes qui sont tombées, hein, des gens qui sont tombés parce qu'il y a eu la peste noire. Donc, on va voir cela. Mais parlons d'abord des morsures de serpents dans le monde. Voilà, donc là, le nombre de morsures de serpents dans le monde, hein, depuis le 1er janvier de cette année, c'est énorme, hein, c'est énorme. 1 535 000, n'est-ce pas, 21 000. 1 535 000, vous vous rendez compte, mes amis, 1 537 000, 23 personnes qui meurent, hein, qui sont mortes, hein, ces personnes sont mortes depuis cette année par des morsures, rien que des morsures de serpents. Mais ça, c'est des chiffres qu'on ignore, hein, mes amis. On ne connaît pas toutes ces choses-là, mes amis. On en parle très peu dans nos églises. Mais pourtant, c'est des réalités. Vous voyez, la prophétie s'accomplit sous nos yeux. Hein, et beaucoup de gens passent à côté parce que beaucoup, malheureusement, sont dans la distraction. Donc, depuis le 1er janvier de cette année, il y a eu 1 535 000 personnes, donc voilà, qui sont décédées suite à des morsures, hein, donc des serpents dans le monde. Et donc 5 500 000 de 5 500 000 personnes sont mordues par, n'est-ce pas, de serpents dans le monde, soit une personne toutes les 6 secondes. Waouh! Toutes les 6 secondes, une personne est mordue, hein, mortellement, hein, par un serpent dans le monde. Et ça fait 125 000 personnes qui meurent, hein, de ces morsures. C'est quand même énorme. C'est énorme. Énorme. Depuis le 1er janvier, vous vous rendez compte, depuis le 1er janvier de cette année, 1 535 037 personnes qui sont mortes suite à des morsures, pas des morsures, des serpents. Et le serpent, bien sûr, nous fait penser au Dieu de ce siècle, hein. Donc, vous voyez, il utilise des animaux sauvages, nous dit la parole. C'est terrible.
Oui, beaucoup parmi ces serpents sont possédés. Ça peut vous choquer, mais c'est le cas. C'est le cas. Et maintenant, allons voir du côté des rats. On va parler des moustiques aussi, Zika, tout ça. Vous allez voir, mes amis, c'est la parole qui s'accomplit. Allons voir, mes amis, la peste noire en 1347. La peste noire. Et on va voir le nombre de victimes qu'il y a eu, hein, suite à la peste noire, hein, véhiculée par des rongeurs, hein, notamment par des rats. Voilà. Et c'est terrible. Donc la parole est vraie. Donc vous voyez bien que le quatrième cavalier est déjà en œuvre depuis. Et ça travaille dans les coulisses. Et tous ces chiffres-là sont inconnus de beaucoup de chrétiens. Toutes ces statistiques sont inconnues de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de pasteurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup, sont sincères bien sûr, mais ils n'y pensaient pas forcément. Donc, on ne va pas les condamner. D'autres sont tellement préoccupés par leur bien-être personnel, par l'enrichissement qu'on leur promet en moyennant le paiement de la dîme, qu'ils ne se rendent même pas compte que les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, que Yeshua n'est plus loin, qu'il faut se préparer pour son retour. Voyez? C'est grave, chrétiens. Réveillons-nous. L'heure est grave. Yeshua revient. Nous devons nous préparer pour son retour. Ces cavaliers, hein, les quatre premiers cavaliers, les quatre cavaliers travaillent énormément. Regardez, la peste noire a fait, n'est-ce pas, au 14e siècle, 50 millions de morts. Vous vous rendez compte, mais c'est pratiquement la population de la France. Hein. C'est pratiquement la population de la France. 50 millions de morts. Qui sont, mes amis, qui ont été affectés. Hein. Et regardez, et comment l'ennemi travaille, comment l'ennemi opère. Hein? Donc, on va voir les rats, on va taper rats qui ont véhiculé la peste, tout ça. Là, vous allez voir comment l'ennemi se sert des animaux pour véhiculer certaines maladies. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce monsieur? Écoutez, moi, je crois que la Bible est vraie. Je crois que Dieu a raison, que Dieu a toujours raison. Quand s'il nous dit que l'ennemi, Satan, va se servir des animaux sauvage pour, n'est-ce pas, pour communiquer des animaux, pour co communiquer, pour atteindre les gens, pour tuer des gens, eh bien, c'est la vérité. Et nous n'allons pas, si on parle aussi des morsures de chiens, on parle de d'autres morsures, hein, de scorpions, hein, par exemple. Il y a aussi beaucoup de personnes qui trouvent la mort parce qu'elles ont été piquées par hein, des piqûres de scorpions, pardon. Et tout ça, hein, donc, parce que ces personnes ont été piquées par des scorpions, elles ont été. Voilà, elles ont connu la mort, elles en sont mortes. Et il y a beaucoup, beaucoup d'animaux qui font des dégâts. Si on parle des personnes qui sont, mes amis, tuées par des crocodiles, qui sont tuées par des lions, hein, par des animaux sauvages, par des léopards, comme en Inde, il y a beaucoup de gens qui trouvent la mort parce qu'ils ont été attaqués, ils sont attaqués par des léopards qui les mangent carrément, tout ça. Et ça, on en parle, mais voilà, je crois qu'on va nous trouver tout ça là. Et c'est terrible de voir à quel point, mes amis, le quatrième cavalier, la mort, est en train d'opérer. Il se sert de plusieurs instruments. Hein. Le premier instrument, c'est l'épée. L'épée, on l'a vu, c'est d'abord des discours, parce que l'épée, c'est la parole de Dieu dans la Bible. L'épée, c'est aussi la parole des hommes. Hein, voilà. Donc des discours haineux, tant religieux que politiques. Il se sert aussi d'un autre instrument, c'est la famine. Beaucoup de gens meurent par la famine, ça on en a parlé parce que la famine nous parle du troisième, hein, donc cavalier. Et il utilise aussi un autre instrument, la mortalité. Eh ben, le nombre de personnes qui meurent suite à des crises cardiaques, il y en a de plus en plus. Des AVC, hein, accidents vasculaires, de plus en plus. Accidents, de plus en plus. Hein, accidents de route, de vélo, de moto. Hein, on va nous trouver tous ces chiffres-là, mes amis, il y en a beaucoup. Et un autre instrument, eh ben, ce sont les bêtes sauvages de la terre. Vous vous rendez compte le nombre de personnes qui décèdent, mes amis, on va nous trouver toutes ces statistiques. Hein. Donc, on est un peu bousculé là. Et, des personnes qui décèdent, mes amis, suite à la malaria, hein, le paludisme dans le monde, c'est énorme, énorme, énorme. On en parle très peu aussi dans les pays occidentaux. Mais il faut aller, mes amis, dans les pays tropicaux pour voir, pour vivre ces réalités-là. Le nombre d'enfants qui décèdent suite à la malaria, au paludisme, tout ça. Et c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc,
les décès dus au cancer, colorectal, le cancer colorectal en France, c'est juste un aspect, c'est juste un aspect, hein, donc c'est une sorte seulement de cancer, c'est pas tous les cancers, il y en a plusieurs. Eh bien, regardez, mesdames, le nombre de personnes qui décèdent en France. Hein, depuis janvier, le 1er janvier 2016, il y a eu 10 325 personnes qui sont mortes suite au cancer colorectal en France. Et depuis que nous sommes connectés, donc il n'y a encore personne, et vous vous rendez compte? Voilà. Et décès prématuré dû à la pollution dans le monde depuis le 1er janvier, eh bien, 892 557 des personnes qui ont trouvé la mort parce qu'il y a la pollution par les véhicules, la pollution par par les vaches qui aussi polluent, hein, pour votre information, tout ça, et par des usines, tout ça, et c'est énorme, c'est énorme. Et regardez les condamnations à mort dans le monde. Depuis le 1er janvier de cette année, il y a eu 3 355 personnes qui ont été exécutées. Voilà. Et les victimes du paludisme, j'ai vu ça quelque part. Les victimes du paludisme dans le monde, depuis le 1er janvier, il y a eu 162 personnes qui sont, donc 162 892 personnes qui ont trouvé la mort dans le monde parce qu'elles étaient atteintes, hein, donc par le palu, hein, le palu, par la malaria. Et le nombre de suicides aux États-Unis depuis le 1er janvier, il y a eu 10 708 personnes qui se sont données la mort. Depuis que nous sommes connectés, il y a déjà une personne qui s'est suicidée. On va rester encore un peu dessus quelques secondes. Chaque jour, 105 personnes se suicident aux États-Unis, soit 38 864 par an. Donc en 2010, depuis 2010, soit 15% de plus en 2010 qu'en 1999. Le suicide fait plus de morts que les accidents de la route, soit 33 697 décès. La recrudescence des suicides touche surtout les 35, hein, donc les personnes les 35-64 ans, et notamment les hommes dans la cinquantaine. C'est quand même impressionnant. Voilà. Et alors, les décès dus aux accidents de la vie courante en France, depuis le 1er janvier, il y a eu, hein, de la vie courante, hein, ça peut être à la maison, ça peut être, je ne sais pas. Donc, et 5 581 personnes, hein, qui ont trouvé la mort. Voilà. Donc, c'est quand même impressionnant. Donc, chaque année en France, près de 20 000 personnes décèdent suite à un accident de la vie courante, dont 230 enfants, soit 55 décès par jour et 2 par heure. Les hommes meurent plus, hein, les hommes meurent plus les femmes d'accident de plus que les femmes, hein, d'accident de la vie courante. Donc les hommes meurent plus que les femmes. C'est quand même terrible. Donc mortalité due à l'alcool en France depuis le 1er janvier. Et 13 203 personnes, 13 203 personnes meurent parce qu'elles sont, mes amis, addictes à l'alcool. La consommation moyenne d'alcool chaque jour est de 27 grammes, hein, par personne en France, contre 27 grammes vers 1930. Voilà, donc c'est quand même, ça fait quand même réfléchir tout ça. Hein. C'est fort, c'est terrible, ça fait bien réfléchir. Et décès dû aux particules fines dans le monde. Depuis le 1er janvier, depuis cette année, hein, le début de cette année, il y a eu 586 personnes, 200, 586, 1227 personnes, hein, 586 227 personnes qui sont décédées. Et waouh! C'est terrible, hein, le monde va mal, hein, mes amis. Hein. On est vraiment, mes amis, confrontés à la mort chaque jour. Et je crois que vous allez vous réveiller davantage. Décès dû au soda et aux boissons sucrées. Hein, ceux qui aiment le soda et les boissons sucrées,
tous les quatre matins, tous les matins, soir, midi, soir, ils sont toujours en train de se, mes amis, se suicider avec du sucre, décès dû aux soldats, et aux boissons sucrées. Chaque année, bien sûr, depuis le début de cette année, il y a 51 602 personnes qui meurent. Chaque année, 185 000 personnes meurent à cause des soldats et de boissons sucrées dans le monde. Soit l'équivalent de un décès prématuré toutes les 180 secondes. Compteur, c'est quand même terrible. Hein? Voilà, donc, décès dans le monde. Depuis le 1er janvier, il y a eu 16 196 190... ça monte, hein. Regardez comment ça monte, le chiffre là. Donc, depuis le 1er janvier, n'est-ce pas? Depuis le 1er janvier de cette année, donc 2016, il y a eu 16 196 220, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32. Vous voyez, ça continue, ça monte. C'est terrible. Donc, chaque seconde, il y a une personne qui meurt dans le monde. Toutes les secondes. C'est impressionnant. Donc, ça fait combien? La mortalité dans le monde correspond à 1,9 décès chaque seconde sur Terre, soit 158 857 décès par jour. C'est énorme. Soit près de 59 millions de décès chaque année. C'est beaucoup, mais inférieur au nombre de naissances. C'est terrible, mes amis. Et depuis que nous sommes connectés, il y a eu plus de 603, ouais, ça monte toujours, décès. C'est impressionnant. Le nombre de décès dus au cancer dans le monde depuis le 1er janvier, 4 186 815 816 817 818 819. Donc, vous voyez comment ça monte, mes amis, depuis nous sommes au mois d'avril. C'est-à-dire, en 4 mois seulement, il y a eu plus de 4 millions de morts suite aux cancers, aux divers cancers. Vous voyez, mes amis, ça fait réfléchir. Hein? Ça fait réfléchir. Vous voyez, donc, tout ça, c'est la mortalité, par la mortalité. Et l'ennemi, bien sûr, travaille. Hein? Le nombre de décès maternels dus à l'accouchement ou à la grossesse. Depuis le 1er janvier, il y a eu 80 947 décès. Et depuis que nous sommes connectés, il y a 4 enfants qui sont décédés, 4 bébés. Décès dû à un niveau sonore excessif en Europe. Écoutez la musique très très fortement, tout ça là, ou dans nos églises, les enceintes qui sont, mes amis, utilisées à fond, et tout ça, le volume à fond, tout ça, il faut faire attention. Eh bien, ça peut provoquer la mort, oui, mes amis, pour votre information. Le bruit peut tuer. Ah oui, le bruit peut tuer. Hein? Donc, de fait, le niveau sonore excessif tue 137 personnes chaque jour en Europe, soit 50 000 personnes par an. Autrement dit, le bruit est responsable de 1,8% des crises cardiaques européennes. Vous vous rendez compte, mes amis? Le bruit est responsable de 1,8% des crises cardiaques européennes. C'est quand même impressionnant. Waouh! Donc, on peut mourir d'une crise cardiaque parce qu'on est exposé, mes amis, au bruit. Donc, c'est pour cela que chrétiens, pasteurs, dirigeants, prédicateurs, baissons le son, le niveau sonore dans nos assemblées aussi. Et bien sûr, avec tous les bruits des avions, des routes, des trains, des bateaux, tout ça, tous les klaxons, tout ça, mes amis, on est vraiment mal barré, pour votre information. On est vraiment exposé à la mort, plus qu'à l'époque d'Abraham, mes amis, avec les microbes dans l'air, avec toutes sortes de, avec les aliments remplis, mes amis, des produits chimiques, les pesticides, hein, les produits vaisselle qui sont, mes amis, remplis de produits chimiques. Donc, la mort, mes amis, on est plus exposé aujourd'hui qu'avant. D'où l'importance de craindre Dieu, de se sanctifier parce que à tout moment, on peut partir. Décès dû à l'obésité et au surpoids dans le monde. Ceux qui mangent sans réfléchir, ceux qui ne font pas attention à ce qu'ils mangent,
alors que Dieu veille, veut qu'on fasse attention, qu'on veille sur notre santé. Mes amis, eh bien, ceux qui sont obèses, mes amis, ceux qui sont qui ont un problème d'obésité, ben, la parole, là, les statistiques nous disent que depuis le 1er janvier de cette année, il y a eu 698 000 42 victimes. Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Les homicides commis dans le monde depuis le 1er janvier, eh bien, il y a eu 55 078 homicides dans, 78 homicides dans le monde. Et voilà. Et, le nombre de morts dus à la consommation de l'héroïne en Russie depuis le 1er janvier, il y a eu 36 000 personnes, 287. Mes amis, 36 287 personnes qui sont mortes parce que ben, parce qu'elles sont accros, parce qu'elles étaient accros à l'héroïne, à la drogue. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment pas toucher à la drogue. Ce n'est pas une bonne chose. Sortez de là, demandez la prière si vous êtes mes amis addicts à la drogue, même à la cigarette. Hein. Mortalité et due aux accidents hein, de la route dans le monde. Hein, depuis le 1er janvier, il y a eu 362 867 personnes qui ont connu, mes amis, la mort sur la route. Donc, quand on prend son véhicule, on peut aussi avoir rendez-vous, hein, rencontrer la mort. Et si ça vous arrive, où irez-vous hein, où iriez-vous? Donc, il faut vraiment vous préparer, mes amis, nous préparer. Décès dû à la... c'est quoi cette maladie? Et voilà, dans le monde, tout ça, il y a tellement de maladies, là, mes amis, parfois, il y a des noms les plus compliqués. Hein? La maladie parasitaire, tout ça, donc les parasites, hein? Donc il y en a tellement, eh ben, c'est 111 000 personnes, c'est 111 653 personnes qui sont décédées par des maladies hein, parasitaires. Il y en a tellement de parasites hein, dans l'eau, partout, oh, que Dieu nous garde. Et un nombre d'incendies domestiques en France depuis le 1er janvier, 73 355. Voilà. Et. Puis il y en a énormément. Crise cardiaque et infarctus mortel en France. 695 personnes qui ont trouvé la mort depuis le 1er janvier. Nombre de suicides en France depuis le 1er janvier, 2641 personnes qui se sont suicidées en France. Voilà. Donc je pense que vous avez compris un peu là, vous avez vu un peu en gros hein, comment le cavalier, mes amis, le dernier cavalier fait des dégâts. Ben, c'est la mort. Voilà, c'est la mort. Et regardez ce que Yeshua disait. Un homme avait beaucoup de biens. Beaucoup de biens. Et il dit à son âme, mon âme, tu as beaucoup de biens pour le reste de ta vie. Profite bien de toute ta vie. Réjouis-toi, mange, bois, parce que mes terres ont beaucoup rapporté. Et la parole nous dit, Dieu lui dira, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as préparé, qui va en profiter à qui cela va revenir et Yeshua nous dit justement, ceux qui ne sont pas riches en Dieu, eh ben, s'ils meurent, ce n'est pas le ciel qui les attend. Voilà, donc, et c'est pour cela que nous devons vraiment nous préparer, mes amis. Et donc, nous sommes dans Luc chapitre 12, versets 13 à 21. Vous pouvez le lire chez vous à la maison. Préparons-nous, car Yeshua revient. Avant son retour, il y aura beaucoup, beaucoup de morts. On n'a même pas parlé des morts liées aux catastrophes naturelles. Hein. Les tremblements de terre, vous n'êtes pas sans savoir hein, que le tsunami qui a frappé les pays qui habitent près de, au bord de l'océan Indien ont connu beaucoup de souffrances, beaucoup de morts. Et mes amis, il y a eu près de plus de 230 000 victimes, hein, donc décès, plus de 230 000. Rappelez-vous bien, mes amis, le tremblement de terre en Haïti qui a fait plus de 200 000 morts. Sans parler de l'Afrique qui est touchée par toutes sortes de catastrophes. Et sans parler, mes amis, des victimes même en France qui sont touchées, des personnes qui sont touchées par des inondations, qui trouvent la mort. Même la terre se déchaîne, même la terre, mes amis, la nature se déchaîne. Donc, c'est terrible, la mort frappe partout.
Donc, si on veut faire toutes les statistiques des personnes qui trouvent la mort par les intoxications alimentaires, par les guerres, par les armes, par les accidents de route, par des crises cardiaques, les maladies incurables, le sida, tout ça, il y en a tellement. On va pas faire tout cela en une soirée, même en une semaine, c'est pas possible. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir ce qui se passe. Donc, préparons-nous pour le retour du Mashiach. Alors, si ce n'est pas seulement une religion, parce que quand on parle de la couleur verte, ne voyez pas seulement une seule religion qui va faire des dégâts. Non, il n'y a pas qu'une religion. On nous parle ici de plusieurs choses. On nous parle de des bêtes sauvages. Des bêtes sauvages, comme la peste noire en 1347. Plus de 50 morts, 50 millions de morts en Europe seulement. Vous vous rendez compte? Et ce n'est pas seulement une religion qui va faire toutes ces morts, qui va provoquer toutes ces morts. C'est un ensemble de choses. C'est à la fois la religion qui tue aussi, hein, des discours haineux, religieux ou politiques, comme Hitler et comme des gourous qui demandent à leurs adeptes de se suicider avec eux. Tout ça, il y a aussi, mes amis, les animaux sauvages, avec les moustiques comme le moustique comme Zika, qui provoque des malformations chez les enfants, c'est des fœtus, des embryons, mais c'est terrible. Et on est dans un monde rempli d'insécurité. Le seul endroit où l'on puisse trouver le repos, c'est à Yeshua. C'est pour cela, mes amis, préparons-nous. Yeshua est en train de revenir. Après les enseignements concernant les quatre premiers cavaliers, l'ouverture des quatre premiers sceaux, nous allons attaquer demain, Dieu voulant, l'ouverture du cinquième sceau. On va finir les sceaux et ensuite on va parler du retentissement, de retentissement des trompettes. Ensuite, on va parler des sept coupes aussi, parce qu'il y a les sept trompettes et les sept coupes. On va beaucoup parler sur la prophétie biblique, sur le retour de Yeshua. Je vous ai dit de la part du Seigneur qu'il est presque minuit. Nous devons nous préparer, nous devons travailler, nous devons méditer la parole et nous sanctifier et nous aimer les uns les autres, prier les uns pour les autres, prier pour les autorités, prier pour nos familles, pour nos enfants, pour vos femmes, pour vos maris, car Yeshua est en train de revenir. Si vous voulez nous appeler, vous pouvez le faire. Donc, on a juste 5 minutes pendant lesquelles nous allons pouvoir répondre aux éventuelles questions au nom de Yeshua. Que Dieu vous garde. Donc, nous sommes au 01, nous sommes joignables au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Voilà, que Dieu soit béni, qu'il soit glorifié au nom de Yeshua. Dieu est bon. Le quatrième cavalier, la mort et l'enfer, le séjour des morts. Alors, pour votre information, les croyants, les chrétiens, quand ils meurent, ils vont directement dans le repos. Hein, ils sont au ciel, leur corps, bien sûr, se retrouve sous terre, mais leurs esprits se retrouvent dans la gloire du Père. Par contre, les inconvertis, les pécheurs, les rebelles, les pécheurs, ben, s'ils meurent, leur corps se retrouve sous terre, comme les corps des chrétiens. Par contre, leurs esprits se retrouvent en enfer, comme le Seigneur nous l'a enseigné dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Hein, vous vous rappelez de l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Voilà, que Dieu nous garde. Dieu est bon. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Je vous entends très mal là. Allô. Oui, qu'est-ce que vous voulez nous raconter, nous dire? C'est pour poser une question. Oui, allez-y. Est-ce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection? Bon, on en parle, ouais, parce que le Seigneur est ressuscité le troisième jour. Mais de là à dire que c'est le chiffre de la résurrection, bon, c'est. Parce qu'il y a un pasteur qui m'a dit ça, mais il m'a raconté quelque chose d'autre qui avait pas de rapport avec la résurrection, en fait. Non, mais c'est pas ça. Et j'avais une question, en fait. Est-ce que les chrétiens de la grande tribulation, ils vont connaître le jugement? Ils vont? Connaître le jugement? Le jugement, quel ju mais bien sûr, parce que pendant la grande tribulation,
Et en fait, nous sommes, il y a plusieurs jugements, ça dépend de duquel, parce qu'il y en a plusieurs. Ah, d'accord. Nous sommes jugés en permanence, hein. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, si nous nous D'accord. jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et aussi, Dieu nous juge pour nous sanctifier, pour nous purifier. Oui, tous les chrétiens sont jugés aussi par le Seigneur pour les amener à la sanctification, à la purification, oui. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà, mes amis, je crois qu'on va s'arrêter là. Donc, nous vous donnons rendez-vous demain, si Dieu le permet. Je crois qu'il va le permettre parce qu'il veut qu'on enseigne son peuple. Voilà, on a quelqu'un d'autre en ligne. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir mon frère, vous m'entendez? Oui. Oui, d'accord. Voilà, j'ai une question à vous poser, mon frère. Alors, je voulais savoir, après le millénium, quand Satan sera relâché, pourra-t-il séduire les personnes vivantes comme les personnes ressuscitées qui ont accepté le Seigneur après l'enlèvement, c'est-à-dire les personnes pendant la grande tribulation? Ouais, j'ai pas compris la question. En fait, je voulais savoir, les personnes qui vont accepter le Seigneur après l'enlèvement de l'Église. Oui. Ces personnes-là, si elles vont vivre pendant le millénium, après le millénium, on sait que Satan va être relâché. Et je voulais savoir si Satan avait un pouvoir de séduction sur les personnes qui ont accepté le Seigneur pendant les grandes tribulations. En fait, Bien sûr. les personnes qui ne font pas partie de l'enlèvement de l'Église. Bien sûr, parce que ces personnes-là qui rentreront dans le royaume, on a eu à l'expliquer, on l'a expliqué la dernière fois, ces personnes qui rentreront D'accord. dans le royaume millénaire avec leurs corps normaux continueront à avoir des enfants et ils seront certaines personnes, certains d'entre eux seront certains d'entre ces hommes et ces femmes seront bien sûr séduits par l'ennemi. Mais par contre, ceux qui D'accord. auront connu à la fois l'enlèvement et la résurrection d'entre les morts auront des corps incorruptibles, donc ils ne pourront D'accord. ni mourir, enfin, ni être séduits, voilà. D'accord, mon frère. Écoutez, je vous remercie et que Dieu vous garde et vous bénisse, mon frère. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci les amis. Que Dieu soit béni. Alors rendez-vous demain et on va tout faire pour commencer à l'heure parce qu'actuellement il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de besoins. Vous le voyez vous-même que le Seigneur revient. Vous avez constaté qu'il y a beaucoup de, il y a de plus en plus de cas de maladies, hein, cancer, hépatite, sida, Ebola, AVC. Il y a de plus en plus, les gens sont de plus en plus, le monde est de plus en plus frappé. Voilà, on nous tue avec la pollution, on nous tue avec l'alimentation polluée et tout le monde va mal. C'est pour cela que nous devons annoncer au monde entier, annoncer aux hommes, aux femmes, qu'il y a un autre monde que Dieu nous a préparé. C'est le royaume de 1000 ans et ensuite c'est la nouvelle Jérusalem. Cherchez Dieu, que vous soyez un homme d'affaires ou pauvre, riche, grand, petit, généraux, président, riche, je ne sais pas qui vous êtes, député, sénateur, vous devez savoir qu'il y a une vie après la mort. Donc vous devez chercher, c'est un conseil, chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve. Allô, bonsoir. Vraiment, c'est la dernière personne que nous allons prendre. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonjour Chora, Bonsoir. Laurence. J'avais une question à poser par rapport au millénium. Oui. Et j'avais envoyé un petit message concernant le millénium, justement. Tu avais dit l'autre jour, bon, ça me semblait normal qu'effectivement, pendant la tribulation, il allait y avoir des conversions et donc des êtres qui doués encore, qui vont avoir des enfants et tout ça. Mais le millénium, est-ce qu'on doit le considérer premièrement comme un millénium terrestre, c'est-à-dire 1000 ans effectifs, ou comme un millénium céleste quand on sait que le Seigneur dit que un jour pour lui c'est équivalent à 1000 ans pour nous, enfin ou alors déjà sur ce point-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit considérer ce millénium comme 1000 ans effectifs ou pas? Et à un moment donné, quand même, pendant ce millénium, les enfants, il va bien falloir que ça s'arrête, puisqu'ils vont être jugés. Ou alors, il y a quelque chose que je n'ai pas bien saisi. Parce que les enfants, donc, vont grandir, c'est lorsqu'on est mature qu'on est capable d'accepter le Seigneur. Donc, j'ai une incompréhension vis-à-vis de cela par rapport aux enfants.
et le millénium, et par rapport à la manière dont il faut considérer au niveau temps ce millénium. Ouais, je pense qu'il y aura un enseignement encore là-dessus, parce que pour vraiment rester sur l'enseignement de ce soir. Oui. Mais je voulais juste lire un passage dans Zacharie 14. Oui. Voici le jour de Yahweh arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. La ville sera prise, les maisons pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors Yahweh sortira et il combattra ces nations comme il a combattu au jour de la bataille. Ses pieds se poseront sur le mont ou la montagne des Oliviers. Oui. Ça correspond à ce que les anges disaient aux apôtres dans Acte 1. Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, donc depuis la montagne des Oliviers, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc on nous dit que ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers. Ici, on ne va pas faire une interprétation allégorique, mais plutôt une interprétation littérale. Car il va revenir visiblement sur terre, physiquement, comme Apocalypse 1,7 le dit, tout œil le verra. Il reviendra visiblement pour Israël, pour restaurer Israël, et ainsi que toutes les nations. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Ça, okay. J'avais bien compris. Maintenant, ce royaume-là, est-ce qu'il va durer 1 an, 1 000 ans effectif ou 1 jour? Oui. Ça, Dieu seul le sait, mais nous savons que c'est un royaume millénaire. Et donc, que ce soit 1 jour ou 1 000 ans, ça peut être 1 jour. Voilà, 1 jour seulement. Parce qu'il faut savoir, on sait que 1 000 ans, c'est la perfection aux yeux de Dieu. Donc justement, je me demandais si ce n'était pas dans le sens jusqu'à ce que l'homme soit parfait à son goût. Non, en fait, non, pas du tout. Parce que la perfection, on l'a déjà en Christ par la foi. Et quand on sera enlevé, on l'aura déjà atteint. Oui, non, mais je parle pour les hommes... par rapport aux hommes qui viendront de se convertir. Non, pas du tout. Dieu n'a pas besoin d'un temps pour amener les gens à la perfection. Et en fait, pourquoi 1 000 ans? Tout simplement parce que aucun homme n'a vécu plus d'un jour. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, Adam non plus. Métouchel, l'homme le plus âgé de la terre, a vécu 969 ans. Il lui restait juste 31 ans pour faire 1 000 ans. C'est-à-dire 1 jour. Et comme Dieu avait dit que l'homme allait vivre éternellement, il fallait qu'il comme il veille sur sa parole pour l'accomplir, voilà pourquoi lui-même va s'incarner en devenant le deuxième Adam. Et c'est pour cela qu'il va revenir sur terre visiblement pour amener l'humanité qui croira en lui au-delà de 1 000 ans. D'accord, oui. Okay. C'est pour cela qu'il va nous amener jusqu'au millénium. Et après, parce que après 1 000 ou après 1 000, c'est l'éternité. Oui, tout à fait. Donc l'éternité commence par là. Et c'est pour cela qu'il va nous amener jusqu'à la fin du millénium, juste pour nous introduire dans l'éternité avec la nouvelle Jérusalem, tout ça, et ainsi de suite. D'accord. Mais là, il revient sur terre aussi pour rétablir ce royaume, parce qu'il avait promis, il a promis de restaurer Israël, de restaurer le trône de David. Il a promis à David, il a promis aux enfants d'Israël, et tout simplement. D'accord, oui, ok. Ok. Donc tu me dis qu'il y aura un enseignement vraiment plus important sur le millénium. Il y a eu déjà un enseignement là-dessus, il y aura tout au long de ces enseignements. L'avenir de l'humanité charnelle, enfin, encore avec des corps corruptibles. Il y aura un enseignement là-dessus, parce qu'on est beaucoup dans la prophétie biblique en ce moment, on va en parler, ouais. D'accord, super, parce que c'est vrai qu'on a besoin énormément d'améliorer nos connaissances dans ce domaine-là. Ben, merci beaucoup, Chora. Merci, bon courage. Merci, au revoir. Au revoir, sois encouragé aussi, merci, au revoir. Voilà, mes amis, que Dieu vous garde. On se retrouve demain soir, heure de Paris, 20h30, hein, et on se laisse guider. Donc, même si on commence avec 5 minutes de retard ou 5 minutes à l'avance, ne soyez pas choqués parce qu'il y a beaucoup d'aléas. Donc, on va vraiment se laisser guider parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de loin. Et parfois, il faut parler avec eux jusqu'à une certaine heure. Et ce n'est pas toujours évident, donc je pense que vous nous comprenez. Ce n'est pas un manque d'organisation ou de sérieux. C'est en fonction des besoins qu'il y a sur place ici dans nos locaux. Car nous avons des gens qui viennent de loin avec des problèmes.
il faut, on fait tout pour pouvoir leur venir en aide. Donc merci en tout cas pour votre compréhension. Au nom de Yeshua, que Dieu vous garde, mes amis. À bientôt. Au revoir.